Ici, nous sommes au collège Dr Lansana Biavogui de Matoto, ex-Matoto 1. C'est dans la capitale qu'on a créé un établissement dans un état de dégradation très critique. Si rien n'est fait d'ici là et dans un temps proche, cette école va disparaître des effectifs des institutions éducatives guinéennes. Les études sont stoppées dans la majorité des salles de classe de l'établissement. Celles qui sont utilisées pour dispenser les cours ne répondent pas à la satisfaction des élèves. Les tôles sont détruites. L'intérieur des salles de classe affiche une image très désagréable. Cette situation nous donne, en tant qu'enseignants, vraiment nous amène ici dans un souci majeur, c'est-à-dire dans des problèmes auxquels on n'arrive pas à s'en sortir. Parce que voir non seulement l'avenir en péril même de toute une génération comme ça là, et qui viennent même étudier dans des conditions très moribondes comme ça. Et je peux dire qu'aujourd'hui, le collège Dr Lansana Biavogui n'est plus maintenant un établissement scolaire. C'est devenu une masure comme ça, qui ne peut plus maintenant abriter les élèves qui peuvent servir même d'avenir pour ce pays. Même les responsables qui étaient là adressaient des correspondances même, non seulement à la DCE par la voie hiérarchique, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de satisfaction par rapport à cela. Les responsables de cette école n'ont pas de bureau et c'est depuis l'incendie qui a ravagé la direction de l'établissement en 2020. Pour recevoir les visiteurs, ils sont obligés d'ériger un bureau à la Belle Étoile. Comme dans ces images, c'est ici que nous avons trouvé ces enseignants qui attendent d'éventuelles visites. Même les cours aussi, franchement, c'est pas tout à fait comme ça. Bon, les bureaux, il n'y a pas de bureau, mais bon, compte tenu du on s'en tient à cela, quoi. Franchement, donc on ne peut pas aller. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc on était obligé de travailler au dehors. On sort les bancs, on travaille avec les bancs. Parlant de la direction, il fut un moment, il y a 2 ans de cela, il y a eu un incendie qui a ravagé tous les documents. Mais présentement, nous avons trouvé un moyen de s'associer avec le primaire qui est là. Le primaire nous a confié quelques salles, 3 salles, et c'est dans l'une de ces salles-là que nous avons érigé, faire, comment dirais-je, un bureau. Donc, c'est là où le principal s'y trouve. Pendant notre constat, nous avons trouvé des élèves de la 10e année en train de suivre les cours de vacances. Quand on leur pose la question de savoir dans quel état ils viennent étudier dans cette école, ils ont des réponses de désolation. Ici, les conditions d'études sont misérables. Nous ne sommes pas du tout à l'aise ici, comme vous pouvez voir. L'école est sur l'état dont on ne peut même pas imaginer. Donc, nous supplierons à ce qu'ils nous mettent dans des conditions favorables pour un élève comme tout autre élève. Nous sommes là, mais vous savez que tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Eux, de ce cas, ils doivent aussi nous soutenir, comme tout enfant guinéen. L'état de notre établissement est vraiment misérable. Seulement que c'est le courage qui nous pousse de venir étudier ici. Sinon, regardez les tôles de l'école même, l'état de l'école même. Vraiment, s'il n'y a pas de courage, vraiment, ça ne donne pas la peine de venir étudier ici. Quand il pleut là, on ne peut pas étudier. Et même quand il y a le soleil là, c'est pas facile. Quand il pleut ici, on ne peut même pas se débrouiller. Les toits sont percés, des fois on ne peut pas étudier, les maîtres nous disent de rentrer, et les cahiers mouillés, quand il y a le soleil même, des fois à 10 h même, le soleil là, ça commence à tomber, les élèves sont découragés. Derrière l'école délabrée, les herbes poussent dans tous les coins. La dégradation avancée n'a pas épargné les toilettes qui également payent les frais de cet abandon. Le collège Dr Lansana Biavogui se trouve dans la même enceinte que l'école primaire Matoto 1, une école primaire très bien entretenue puisque rénovée. Les responsables de l'école ont révélé que c'est le primaire qui reçoit certains élèves du collège pour suivre les cours pendant l'année scolaire. Cela aussi, il faut chaque année négocier avec la direction de l'école primaire pour arriver à cet accord.